Et je l'ai dit à plusieurs reprises. L'antisémitisme qui consiste à dire vous êtes comme nous, comme tout le monde, et l'antisémitisme qui consiste à dire je reconnais que vous êtes différent. Et les juifs parfois sont perdus dans cette problématique. Ils ne comprennent pas que dire que les gens, que les juifs sont comme tout le monde, c'est une forme d'antisémitisme. Et qu'au contraire, dire que les juifs sont différents, c'est au contraire reconnaître leur différence. Et donc souvent, les juifs eux-mêmes ont un discours extrêmement confus à ce sujet. L'antisémitisme de la non-reconnaissance du fait juif, la non-reconnaissance de l'élection du pays, c'est un antisémitisme fondamental. C'est l'antisémitisme chrétien. Alors maintenant, il y a un autre antisémitisme qui est celui qui consiste à refuser que les juifs soient égaux, soit comme les autres. Voilà, donc il y a plusieurs tonalités d'antisémitisme qui se juxtaposent, qui s'entrecroisent, qui s'enchevêtrent.